Abdou, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Est-ce que nous connectons ensemble? Est-ce que nous avec moi là? Est-ce que nous entendons bien? Nous ne pouvons pas dire que nous ne pas parce que nous ne pas mal connecté. Ah oui. Et ça, M. Edouard. Est-ce que vous entendez bien? Si vous entendez bien, nous avons pas avoir. Ensemble avec l'autre qui est dans mon théo, si nous entendons bien, dis oui, nous entendons bien, nous sommes capables de déraper. Nadège? Nadège Chevalier. Son bon travail. Ok, mais il faut dire si c'est un bon tout. Est-ce que nous entendons bien? Je vais ok, oui, ok. Je vais vous dire que vous êtes là. Eh bien, je salue nous. Bonsoir, go bonjour pour nous. Quel que soit le petit programme, ça, petit bas de bouche, ça, nous faisons ensemble. Eh bien, Abdou, que le principal point qui a dominé l'actualité d'abord, c'est l'actualité sur le plan international. Eh bien, le président Biden peut aller en Israël. Côté, il peut aller rencontrer très certainement le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Rencontre ça va dérouler demain. C'est demain qu'il est pour le arriver. Et justement, pour porter support aux États-Unis, avec solidarité aux États-Unis pour Israël, nous rappelons que. Le groupe militant Hamas a attaqué plusieurs villages, villes à villages israéliens, 7 octobre passé. Côté non seulement tout le monde, il y a tout passé un millier de monde, mais tout le allé avec le monde en otage. Mais pas le monde, il y a 30 Américains que l'autorité fait connaître qui mourent. En réponse avec ça, eh bien, le groupe Israël a attaqué le territoire Gaza qui est censé en bas contre Hamas. Eh bien, côté près de 2800 monde mourent. Et puis, il faut voir que tous ces civils, et il y a 25% de ces timoun. Et le président Biden, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, justement pour discuter sur la nécessité pour gagner un effort diplomatique fait pour empêcher que la guerre passe si mal dans notre zone. Parce qu'en principe, comme Israël a préparé pour le faire une attaque à terre, de Kankai pour l'entrée dans le territoire Gaza, eh bien, il y a un groupe Hezbollah qui est lui-même situé dans le Liban. Et un groupe Hezbollah qui est support Iran. Et bien, il dit que y a un bagage comme ça, y a une telle décision capable de forcer eux-mêmes à entrer dans la guerre. Bien que, dans l'année qui passe, depuis la guerre, ça a commencé là. De temps en temps, M. Hezbollah a beaucoup quelques coups d'âme avec Israël dans la partie nord du pays. Alors que la guerre a fait dans le sud, et bien dans le nord, côté libanais, et bien même beaucoup de coups d'âme avec Israël. Et il a apporté des victimes des deux côtés. L'autre point d'actualité à ses visites, le président Poutine, le président Russe Vladimir Poutine a fait en Chine, côté que deux pays ont rencontré pour discuter des points qui sont si pour eux, et très certainement, Gessa, que d'après nous, il faut connaître que ni la Chine, ni la Russie, capable de bénéficier ou capable de prendre avantage, ou capable de profiter de conflits armés israélo-hamas, parce que Gessa vient retirer attention aux États-Unis dans ce qui a passé dans la CAE Volodymyr Zelensky en Ukraine. Et bien, tout, ici aux États-Unis, et je dis, le président désigné, ou bien candidat désigné républicain dans le Congrès, James Jordan, et bien, il peut mettre vote là. Devant l'Assemblée des députés. Pour loin dans qui mesure capable de 217 voix nécessaires pour que le Tavin tourne prochain président Chambre des députés. Donc, c'est jeudi à votre sable déroulé. Donc, s'il parle de 217 voix, il est capable de recommencer encore, ou bien le désister ou l'autre monde vini, ou bien le continuer, même avec l'ancien président Kevin McCarthy, était fait. J'étais obligé de tendre 15 voix. 15 fois vote, 15 fois a été voté, jusqu'à ce que finalement il y ait une quantité de voix qui est nécessaire là. Mais ben, elle n'a pas fini trop favorable. Non pour lui, parce que ce n'est pas tout républicain qui est d'accord que va le voter. Je dis à M. Kabab, il est capable de perdre 3 voix républicains. En fait, il y a un député qui est absent, qui n'est pas là, qui est dans le funérail, maman, et belle-mère. Donc, ça veut dire que le député Jordan n'a pas perdu 3 voix. Au maximum que le cap a perdu, c'est 3 voix. Si le député a là, c'est 4.
plus que ça, il n'est pas capable président, président, à condition que si tous les républicains ont voté, donc il n'y a pas de trois voix républicains. Donc nous avons une situation qui est. Au Canada, nous avons Valéry Saint-Luc qui est sur place. Nous avons couvert un sommet et Canada a fait avec le pays CARICOM. Nous rappelons que le pays CARICOM a célébré le 50e anniversaire. Donc, en fait, et sommet ça, son sommet que le Canada parle par le Premier ministre Justin Trudeau parle par de coopération économique entre pays, investissement, etc., entre pays CARICOM avec le Canada. Dossier Haïti a sauté à Piato. Dossier crise pays d'Haïti a sauté à Piato. On devra discuter de qui meilleure façon de résoudre la crise. Mais on a rappelé que le pays CARICOM a pu faire l'autre rencontre encore avec les deux politiques haïtiens, mais rencontre ça à la déroulée dans Port-au-Prince. Donc, le pays CARICOM a rencontré. Donc, rencontre Canada a gagné dans le tour. Et probablement, il est très probable a gagné une délégation et Haïti qui a participé dans ce sommet ça qui a duré trois jours. C'est 17, 18 et 19. Donc, nous avons sur place Valéry Saint-Luc qui va apporter plus de nouvelles pour nous. Et puis, je dis, c'est chômage en Haïti, c'est férié. Et je dis, c'est l'envoi des salines. En fait, plusieurs organisations mettent ensemble pour crier à bas pour le ministre Ariel Henry. Il a demandé pour lui démissionner tout. Et même si on rencontre CARICOM dans tout, les leaders politiques ou les acteurs politiques qui ont crise à Haïti, ils ont demandé pour le ministre et faut démissionner. Il y a un agenda qui ont demandé faut démissionner lui-même. Chaque ministre a parlé et il a même parlé que le Premier ministre Ariel Henry a préparé un autre accord qui pour remplacer l'accord 21 décembre. Parce que dans l'accord 21 décembre, il était promis que l'État organise l'élection. Et pouvoir t'appeler jeune un président élu le 7 février. Jean Saïd Kounia là, il passe le que ça a fait. Et déjà, il y a une voix qui a levé pour Mandel. Et tout de côté pour mettre pour un gouvernement civil, un président élu le 7 février. Et Jean Sabralé là, nous remarquons que pour le conseil électoral, les conditions pour qu'on réunisse, etc., et bien, il n'a pas semblé que ça a fait. Et bien, Mandel pour aller le 7 février pour remplacer à un autre premier ministre provisoire. Il y a un pile voix même qui est levé qui m'a dit ça. Mais il dit tout dans les coulisses, le Premier ministre Ariel Henry a préparé un autre accord qui pour permettre que l'IRE était plus longtemps encore. Et comme Premier ministre, Haïti en attendant que crise la résout. Dossier encore, un dossier qui l'ouvre, n'a pas su pour dossier ça à tout. Pendant ce temps, tout, il y a une délégation Kenya qui vient pour aller en Haïti. Et délégation ça, c'est qui pour regarder l'aspect juridique et diplomatique. Et soldats kenyans qui viennent pour vivre en Haïti. Dans le cadre de mission pour aller des polices nationales là, combattre gang. Et nous rappelons que ça va longtemps que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été voté pour territoriser Kenya prend tête une force multinationale pour aller des polices nationales là. Donc, délégation ça est. Il y a une délégation de l'EAT qui est pour arriver tout dans ce jeu qui a venu là. Justement, ça, il y a plus pour garder l'aspect technique et barrage que Haïti, pas barrage, mais en fait, canal Haïti a construit sous rivière Massacre, que la République dominicaine, ou bien le président dominicain, Luis Abinader, couché en quoi contre lui-même, forcé de prendre décision pour le fermer toute frontière que Haïti gagne avec la République dominicaine. Que ce soit les voies terrestres, etc. Mais que dans le jour qui passe, le président dominicain dit que en partie levé et sanctions, les décisions. Donc, il peut que le dominicain capable de vendre avec Haïti, donc Haïti capable d'arriver sous frontière, acheter et retourner la caillou. Ça, que comme en réponse, Haïti me répond, il dit nous pas prêts à l'acheter et retourner avec Afonamon. Bah, ça va mettre en pile pression sur le président Abinader. Parce que les commerçants, comme on a dit eux-mêmes, ce n'est pas deux déficits à faire parce que tout le monde a été fait. Il était avec Haïtiens, Haïtiens n'ont pas mis encore. Parce que si le marché binational qui existait, c'est vrai, les Haïtiens viennent acheter pour y aller vendre. Donc ils achètent en pile. C'est que localement, les gens viennent acheter pour y manger. Ils vont acheter pour y faire commerce. Haïtiens viennent acheter pour y faire. Donc il y a un gros déficit là qui menaçait les commerçants dominicains. Donc, le président Abinader a une grosse pression là. Et comme il dit que par une frontière fermée, qui est-ce qu'il va le faire pour y aller, etc. Et puis, l'immigration fermée, tout ça. Quand c'est un groupe haïtien qui est en République dominicaine, qui a un pile qui a sauté tout,
Parce que, étant donné que, qui est légal, hein, monde qui a travail, monde qui a un business en République dominicaine, monde qui a un restaurant, qui a un gym, qui a un bar en République dominicaine, mais qui a un visa qui chaque mois obligé à le checker, parce que c'est ça la loi dominicaine dit. Après un mois où il est légal, il faut le checker encore pour retourner. Donc, moi, ça a le checker, mais ben, la conflit a un mois, que l'immigration fermée, frontière fermée, donc immigrants, ça n'a pas le checker. Il est illégal, donc si l'autorité dominicaine ou bien encore l'immigration dominicaine est dans la rue, il n'y a pas arrêté, il y a des gens qui ont forcé à retourner. Bien que les gens qui ont calculé les gens, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'Haïtiens qui retournent en Haïti volontairement. Et il y a d'autres, des dizaines de milliers tout, qui ont même tout que l'autorité dominicaine a arrêté, que ce soit l'immigration dominicaine, que ce soit la CAI ou bien ils ont pris dans la rue, les gens qui ont pris un passeport, ils ont pris tout ce qui a été possédé, tout ce qui a été gagné, et puis ils ont lagué sur la frontière. Donc, c'est comme ça la situation les présenter qu'on est là pour Haïtien Sahara. De l'autre côté de la frontière, on a parlé qu'on est un petit peu sous frontière et États-Unis partagée avec Mexique. Là. Il y a même situation d'immigrants Sahara qui a privé l'autre bois. Il y a un peu d'immigrants actuellement qui ont quitté Haïti et qui passaient par Nicaragua et qui sont tombés au Mexique avec l'espoir qu'il y a privé sous frontière pour venir demander asile. Il y a des gens qui peuvent dire, et ce n'est pas 50, c'est pas 50, c'est gros l'argent. Donc, mon aéroport, chaque jour, il y a des centaines de gens qui viennent, qui prennent avion, et qui ont parfois deux vols, qui viennent prendre un monde à la Guéo, Nicaragua, et de Nicaragua, ils ont dégagé, ils ont traversé Salvador, prennent un avion, tombent dans Mexico City, et puis faire sous la pied pour arriver sur la frontière. Donc, on crise tout l'autre bois, sous la frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Concernant le phénomène immigratoire, parce que les États-Unis, même jusqu'à venir du frontière, sont techniquement fermés, et que si on a besoin de demander asile, il y a des conditions pour faire, et qu'il faut qu'on remplisse forme. Et CBP, on a, et puis pour jouer un rendez-vous pour venir demander asile. Donc, si on ne va pas faire, on ne va pas venir sur la frontière comme ça. Donc, ça, c'est aussi ça. Et puis, pas oublier le programme Biden dans tout lui-même, qui toujours l'ouvre, même si on a une décision au juge qui vient pour prononcer le tout sous demande. 20 États républicains étaient faits pour être campés sur le programme. Non, on a pris une décision du juge, mais on a pris un programme non ouvert. Et le programme s'est sans limite. Quel que soit les amis ou les familles, etc., on est capable d'appliquer pour. Depuis qu'on est capable de montrer qu'on est capable de supporter financièrement, et bien on est capable de venir aux États-Unis pour une période qui n'est pas dépassée 2 ans. Nous ne voyons pas qui ça va passer après ça, mais pour qu'on y ait la période là, après 2 ans, où tu as dû retourner dans le pays. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le pays et qui connaissent que. Il va faire un pack qui t'en parle en gros parce qu'il dit que bah il est capable de changer pour lui, bah il est capable de changer et bien même il dit Haïti paye Haïti plus mal, donc il préfère que il était aux États-Unis plutôt et donc après bah là il était illégal, donc on va compte que ça va pas passer, que ce soit pour monde qui partent là, que ce soit pour même tout qui vient illégal et monde qui prend responsabilité pour te faire entrer aux États-Unis, nous voir que ça va pas passer pour lui. Donc c'est comme ça situation liée que l'autre bah encore pour me parler nous encore. Et il y a tout le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est actuel en Jordanie, côté de la préparation de rencontre au haut niveau entre le président Biden avec trois et Wa Abdullah et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, et puis il y a tout Wa Abdullah et le président de l'autorité palestinienne, on parle de Mahmoud Abbas, et puis. Nous parlons de Canada qui a pris le sommet, puis nous parlons de. Je dis à ces fêtes tout en Haïti, et très probablement, Canada qui a pris une rencontre CARICOM pour discuter des questions économiques, relations entre Canada et l'autre pays, investissement, etc. Et très probablement, la crise en Haïti a encore une discussion. Donc, il est probable qu'il y ait une délégation et la voix d'Amigo qui est sur place, donc il va aller au Saint-Luc qui est sur place, et qui a porté une nouvelle savane, qui va dire qui j'en sais. Et si on rencontre un sommet, et cap du 3 jours et entre Canada avec puis CARICOM. Voilà, c'est là hein? Maintenant qu'à aujourd'hui là, donc moi bien content que nous branchions avec moi, et bien nous n'a continué parler encore et madame Charles, moi merci au madame Saint-Louis. nous là, merci en pile. Et bien nous n'a pas encore après-midi dans journal Radio sur télévision. Je ne vais pas surtout de. Nous avons changé. Nous avons fait l'immigration, nous avons dévié dans le Congrès américain, nous avons changé, nous avons acheté sur conflit.
Israël ou Hamas, c'est celui qui me travaille plus, c'est celui qui me porte l'information pour nous, pour nous dire exactement ce qui a passé. Puis on a regardé pour nous, visite président Biden à faire, puis nous avons parlé autour de est-ce que vous parlez un nouveau président et chambre des députés, parce qu'en principe, candidat désigné parti républicain pour poste là, Jim Jordan, et bien, monsieur Pral mette et candidature devant l'Assemblée pour votre Assemblée. Et pour qu'on si ou non il a voté et que l'Irak a fini prochain président chambre des députés. En attendant, tout autant par un nouveau président chambre des députés a toute activité bloquée, tout accord, toute loi, tout débat pour faire que ce soit c'est assistance militaire que les États-Unis gagnent pour Israël avec Ukraine, mais tout bar ça a campé jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président. Et bien sûr de ces foncières, grand pile va lever, en pile l'argent pour amasser, pour collecter, pour faire le canal. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas le canal qui peut faire, c'est pour plusieurs fêtes, parce qu'il y a des moyens pour faire. Pendant faire un choix en tout battre, pendant le choix. Si on quitte le fret, et si l'État entre là-dedans, bon, grand pile chance pour le diminuer. Donc il dit pendant le choix, là, tout le monde s'est metté à la patte là pour plusieurs canals faits pour que nous ne pas dépendre, trop dépendre de. Manger cap soutien à République dominicaine qui semblait, d'après sa autorité, qui n'est pas même de bonne qualité même. C'est manger que Dominique va avoir à aucun autre monde, même avec mon la caille, il va avoir à manger ça, alors que il va avec Haïti. Vous comprenez? Bonne journée tout le monde, bon après-midi, n'a pas allé? Bye bye.